We kept the government open, kept paying our troops to finish the job we have to get done. Les États-Unis viennent de repousser au 17 novembre la menace d'une paralysie complète de l'appareil administratif fédéral. It's laid on the table. Le Congrès s'est entendu pour se donner 45 jours de plus en signant un projet de loi qui permet de financer temporairement les programmes fédéraux. I'm sick and tired. I'm sick and tired of the brinksmanship. J'en ai assez, et le peuple américain aussi, lance le président Joe Biden, qui exhorte les membres républicains du Congrès d'honorer le pacte conclu il y a quelques mois. We have the strongest economy in the world today. The strongest economy in the world today. We have more to do. But we are the indispensable nation in the world. Malgré la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy a dû se rallier à la voix des démocrates pour faire passer cette mesure d'urgence, une décision qui n'a pas plu à la tranche plus conservatrice des républicains. I do intend to file a motion to vacate against Speaker McCarthy this week. I think we need to rip off the band-aid. He says he's coming for you. Can you survive? Yes, I'll survive. Bring it on. Let's get over with it and let's start governing. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, appelle les démocrates à suivre le meneur. Hakeem Jeffries has done a great job yesterday. We had a victory in the continuing resolution. It was a victory for Democrats. Le président Joe Biden est resté prudent. Should Democrats vote to help him keep that job? I don't have a vote on that matter. I'll leave that to the leadership of the House and the Senate. L'accord provisoire ne prévoit aucune aide supplémentaire pour l'Ukraine. Biden assure cependant que Washington n'abandonnera pas les Ukrainiens. You can count on our support. We will not walk away. Kyiv dit travailler avec ses partenaires américains pour s'assurer que des aides soient ajoutées dans le prochain budget qui sera élaboré au cours des 45 prochains jours. Pour une majorité, je pense, d'élus et pour le président Biden, ça va être difficile de passer cette aide supplémentaire. On parle de plusieurs milliards de dollars. Malgré ce bref répit jusqu'au 17 novembre, la menace d'un déficit de paiement surplombe encore l'économie américaine. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles.